bienvenue pour la petite histoire du soir avec Sauvage d'Émilie Hugues. Personne ne se souvenait du jour où elle était arrivée là, mais chacun sut aussitôt qu'elle était faite pour vivre dans les bois. La forêt l'accueillit à bras ouverts. Les oiseaux lui apprirent à parler. Les ours lui enseignèrent où trouver à manger. Les renards lui montrèrent comment s'amuser. Elle était à sa place et la vie était belle. Un jour, elle rencontra dans la forêt des animaux inconnus. Ils la trouvèrent étrange, elle aussi. Ils faisaient tout n'importe comment. Ils parlaient n'importe comment. Ils mangeaient n'importe comment. Ils s'amusaient n'importe comment. Elle n'était pas à sa place et la vie était triste. Assez! Tout le monde se souvint du jour où elle partit, et chacun sut alors qu'elle n'était pas faite pour vivre ici. Pourquoi donc mettre en cage une petite fille si joliment sauvage? Hopi, hopa, et le conte s'arrête là.